Parallèlement à ça, on a toujours ici creusé la racine de Josian avec notre papa, qui est vraiment une tradition en fait dans la région de creuser cette racine pour faire de l'eau dite Josian. J'ai eu l'envie et l'idée de faire quelque chose d'autre avec la racine, donc je me suis amusé à faire des vins, des sirops, jusqu'à arriver à un apéritif à base de Josian qui m'a beaucoup plu. Je l'ai fait goûter à des amis, petit à petit ils ont été intéressés, ils ont voulu en acheter, ensuite il y a un magasin qui s'y est intéressé, et c'est comme ça que l'aventure a débuté au tout début. On est quand même conscient qu'on apporte quelque chose à Soubo en bien. Je pense vraiment un côté positif pour les régions montagneuses, c'est aussi énorme ce que fait l'Etus à la montagne aussi. Enfin, souvent on est obligé d'aller en ville pour trouver du travail, et là l'Etus à la montagne aide les gens à créer du travail dans les milieux de montagne. Dans 10 ans, c'est vrai qu'on souhaiterait augmenter la part de production des ingrédients sur la ferme aussi, et puis continuer à avoir cet aspect créatif avec des nouveaux produits, c'est important pour nous. On va essayer encore un peu de s'agrandir, mais après on va essayer de rester à une taille humaine pour toujours continuer à produire de A à Z et puis continuer à avoir la philosophie qu'on a actuellement.